Bonjour et bienvenue. À l'occasion du lancement des travaux du poste de transformation électrique de l'INSA du projet d'interconnexion, un conseiller élu sous la bannière de UFDG, de Sélouda Alain Diallo demande au président Alpha Condé d'organiser un référendum pour un troisième mandat. Lisez sa déclaration. Monsieur le Président, à vous comprendre, vous n'êtes pas méchant et vous aimez la Guinée. Depuis l'indépendance, l'INSA n'a pas eu le courant électrique. C'est grâce à vous, l'INSA est électrifié et est érigé en sous-préfecture. Donc, nous vous demandons d'organiser un référendum pour le troisième mandat. En tout cas, nous populations de l'INSA, vous soutenons jusqu'à 2025, a lancé le conseiller Monsieur Ibrahima Kaké. Maintenant la question qu'on se pose. Cet appel sera-t-il entendu par la population de l'INSA? Sera-t-il entendu par le président Alpha Condé? Y a-t-il des tops dans le parti de l'UFDG? Alpha Condé modifiera-t-il la constitution qui l'autorise un seul mandat renouvelable une seule fois? Affaire à suivre. C'est tout pour aujourd'hui, merci de vous abonner à notre chaîne pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.